C'est une grosse sieste. Oula. Alors, tu dis quoi, toi? Ces cercles de lumière sont agréables à observer, mais je veux voir le vrai ciel un jour. Regarde ça. Extérieur, Momo m'a promis de m'y emmener un jour. Regarde ça. Partition déjà, j'ai le tout. Momo, c'est là-bas. Mais il y a tellement de choses à faire avant. Une zapette. Pas... On va bien tomber sur un porno. La météo. Question pour un champion. Putain, le téléachat, quoi. Ça a l'air pété leur truc. C'est quoi, c'est les feux de l'amour, c'est bref, c'est assez bloqué. Téléachat, c'est ça. Ouah, c'est bizarre. Le boulard, le boulard. Téléachat, c'est le VCN. Voilà. Tout en effet, c'est Chell. Tu avais prophétisé le succès. Putain, mais allez-y, le boulard, quoi. Pub de recrutement pour le milieu carcéral. Ah, il n'y a plus rien. C'est l'abus. Même pas un petit boulard, quoi. C'est pas très réaliste. Hein. Même dans Nier Automata, il y a une scène d'orgie, quoi. Pourquoi je descends dans les... Bon fond. Mais putain. Bon tant pis. C'est quoi ? Ah, se rappeler. Reposer un paix humain. Mes humains furent les premiers à vivre ici. Je dirais qu'ils sont tous morts. Tu crois que ça fait quoi de bruit hein ? Je sais que c'est une question idiote de ma part, mais sont-ils vraiment en paix ? Est-ce que je trouverai la paix en mourant ? J'ignore à quoi ressemble la mort pour une IA. Je m'excuse, je ne voulais pas plomber l'ambiance. Continuons. Oh non. Sans déconner. Eh bah. Ben, c'est pas tombé. Ah. Super, j'en ai une. Bonjour. Je suis un petit chat perdu. Ah non, je cherche toutes sortes de partitions. Attendez quoi? Pour jouer de la guitare et mettre de l'ambiance. Si vous en trouvez, amenez-les moi, j'habite à côté de l'ascenseur. Où est l'ascenseur? Troker, l'informatique, super spirit, les fringues de mémé, programmation, Elliot.
Putain, la vie d'un chat, tu peux aller partout, quoi. Tu peux sauter, là? Il y a un distributeur. Ah, j'ai pas changé le planning sur Stream Elements, merde. C'est le lundi, le mercredi, le vendredi maintenant. Putain, j'ai oublié de faire ça. J'étais sûr, j'ai oublié un truc. Du coup, le bot, il vous raconte des mensonges. Donc si aujourd'hui est le lendemain d'hier, demain sera le hier d'aujourd'hui, pas vrai? Le temps est étrange. On ne vieillit pas comme nos ancêtres, les mous. On est enfermés ici pour toujours. C'est très joli, mais ce serait bien si c'était vrai. Désolé, je ne suis pas dans ce moment. Oh merci, j'ai pas soif. D'accord. Oh! Encore la télé. Pas de boulard non plus, d'accord. Et regarde Superman 3, le gars. Fini, putain. Ah, c'est là où je suis allé. Là, tu peux partir, le gardien indique que c'était pas les Urks. C'est par là que j'arrive. Ah d'accord, ok. Je suis paumé, putain. Ah, mémé. Les fringues à mémé. C'est donc là. D'abord... amadoué. Et ensuite rencontré. J'aime beaucoup le tricot. J'en suis à 770 km de poncho tricoté, ce qui n'est pas rien. Si tu me trouves du câble électrique, je pourrais te faire un poncho. Tu m'inspires, mais trouver les bons matériaux est difficile par ici. À fabriquer des vêtements plutôt classe, non? Oui. Tu veux quelque chose? Ah, je peux plus traduire maintenant, merde. Je rentre. Je suis programmé pour être esclave, mais depuis 2 554 875 556 jours, nous avons une âme. Pourvu qu'un jour les extérioristes trouvent un moyen de fuir cet enfer. Est-ce qu'on peut renverser la plante? Ah, il y a une photo. Ah putain, vas-y bouge. Ah, c'est un peu chiant des photos. Partition. Oui. Tu dis quoi, gros? Tu viens voir Elliot? Il est juste à côté. Je sais pas qui est Elliot. Parce que je sais que je fous le bordel dans ta vie, mon gars. Mais tu vas devenir accro à mes petits poils tout doux.
Tellement bien de tout renverser, putain. C'est pas un souvenir, ça? D'accord. Personne pour me dire putain de chat. Change la musique. Se rappeler. Cet arbre est une merveille scientifique. Il est remarquable que le génie humain soit parvenu à faire pousser des végétaux qui prospèrent dans sans la lumière du soleil. La vie organique a besoin que les arbres purifient l'air de la ville. Les robots n'en ont pas besoin, mais ils en prennent soin quand même. C'est ce qu'auraient voulu les humains. Ah, les rideaux. Nous y sommes. Bonjour. Bonjour, pour l'instant, je regarde autour de toi et je viendrai te causer après. Oh, c'est quoi ça? Ça marche pas. Ah, c'est pour qu'il m'ouvre de l'extérieur, c'est ça? Bonjour, Momo. Oh non, c'est Elliot. Oui, je peux t'aider? Pourquoi s'embêter à le trouver? Tout va bien ici. Ah ouais? C'est pas ce que m'a dit ton père? Ah non, c'est pas lui. Merde, je suis con. Tu fais quoi? Tu trades? Tu trades des NFT? Traduit ça déjà? Cherche une personne capable de surveiller le sud de la zone sécurisée, rémunérée 2 pintes, une ville de Siuba par jour. Prière de contacter le gardien. Il se passe des trucs chez Johanna. Hein. Ces types n'ont pas intérêt à faire tomber un autre pot de peinture parce que ça va énerver Cosma. Bah ouais, mais j'ai pas réussi à les faire tomber. Partie des chenapeurs qui s'amusent avec les pots de peinture sur le toit. Arrête avec la peinture, j'en ai marre de nettoyer mon perron à cause de tes bêtises. Et mais du coup, ouais, parce que tout à l'heure j'ai fait ouvrir une porte mais j'avais pas le temps de traduire. C'était quelle porte, c'était où? Ah, c'est chiant. Ah, je retrouverai pas. Je sais pas ce qui se passe du côté de chez la Joe. Il
au secours, où est la porte de merde que j'ai trouvée tout à l'heure? C'était là. Programmation Elliot. Frapper à la porte, nous ouvrir. Ah merde, d'accord. Si. Ok. Faudrait qu'il bouge lui. J'ai parlé au barman, je sais plus. Je vais boire un coup. Il paraît que le trucker cherche ce genre de choses. On parle pas lui. Non. J'ai parlé à lui, je sais plus. Je sais pas ce qui se passe avec Johanna. Mais ça a l'air bien. Oui, c'est l'employé du mois, c'est vrai. Attends, mémoire de poisson. Mémoire de Dory. Ah, ah, du coup ça me nique les contrôles. J'arrive plus à m'orienter, putain. Ah. C'est con. On va déjà faire tout ce qui est à pied. Allez, arrête de gigoter, je vais pas te faire mal. Là. Ok, ils ont déjà fait ici, là il faut faire tomber le pot de peinture. Mais j'ai pas trop compris comment. Parce que j'ai beau miauler, ça ne les a pas fait tomber. Végétaux Neko, il pousse dans le noir. Pas besoin de soleil pour aimer la nature. Le futur. On avait été là, je tourne en rond. Je tourne en rond. Tu as toujours des trucs bizarres, mec. On a déjà fait. Ouais, on a déjà vu ça. Plein de petits trucs à droite à gauche. Chat perché. Bah c'est comme ça. Ah merde, j'ai déjà utilisé celui-là. Ou alors il y en a qui sont pas d'accord. On va finir par y arriver, on va finir par faire des trucs. J'ai été par là. Je m'occupe des plantes, les humains les ont tellement améliorées, maintenant elles n'ont presque plus besoin de lumière. Je les arrose à peine et regarde comme elles poussent, c'est une technologie vraiment incroyable. J'avoue. Oui.
Pourquoi il y a super musique là d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Remarquable, les compagnons ont beaucoup évolué. Au début, le IA de base se contentait d'imiter leur humain. Maintenant, ils font ça tout seuls, là. Les humains disent souvent que créer est important dans les situations désespérées. On peut dire que c'est le cas actuellement. La petite ambiance terrarien dans la musique, là. Ah, le musicos. Bonjour musicien, mais je ne connais aucune chanson. Lendemain. C'est cool, tiens, regarde. Mais oui, regarde, j'en ai une autre là. 100 titres. 44 notes. Ok. Ah non, le papier, non, je suis con. Oh putain. Je suis con, je vais arrêter de faire ça. Digicode. Ah putain, c'était 1, 2, 89. Partition 8 sur 8. Il est mort de poisson rouge, hein, je vous disais. L'accès aux égouts est condamné à cause d'une prolifération de Zurx. Les Zurx, c'est pour faire référence à Mark Zuckerberg, j'imagine. Genre de parasite des temps modernes. Laisse-moi chanter. Eh ben c'était bien nul. Un truc, hein ? Ah, je vais peut-être pas regarder celui-là. Seuls nos ancêtres peuvent distinguer ces couleurs. On raconte qu'autrefois elles étaient prédominantes.
Ok, donc maintenant, ah, j'ai pas assez de... C'est quoi? Trois canettes, hein, j'ai pas assez. Ça, c'était combien? Ouais, les cieux. Ça, c'était une canette, je crois. Voilà. Ça, on va retourner voir trou du cul. Une nouvelle chanson. Ton calcul du soir. Ah, celle-là est chouette, écoute bien. C'est pas fini ? J'adore l'ambiance que tu mets, mec. Ouais, elle était longue, hein. L'alimentation électrique de la ventilation. Non. Comme ça, tu vas crever de chaud. Ah, c'est chiant. C'est un carnet étrange orné d'un symbole. On dirait celui-ci appartenait à un certain Zbaltazar. Spixzou.
Toute trace de vie organique a disparu à l'exception de ce qu'on appelle les urks. On dirait qu'ils mangent tout ce qui bouge et qu'ils se reproduisent à une vitesse inimaginable, comme si se retrouver enfermé dans cette cité n'était pas assez difficile comme ça. J'ignore ce que ça veut dire, mais... Il faut que je boive un coup. Mais ça nous sera sans doute utile plus tard. On devrait aller voir ce Momo dont le gardien nous a parlé. Mais oui, allons voir Momo. Ah, mais avant, une machine. Je suis de nouveau là. Bonjour. S'il te plaît, n'embête pas Vapora, elle est trop maladroite. Bah si, il faudrait que je l'embête justement, c'est ça le truc. Je meurs si je saute. Hein. C'est quoi? Ah non, je crois que c'est un truc qu'on peut ramasser, mais non. Petit chat qui voyage. Bonne nuit, Request. Parce que moi aussi, je suis crevé avec ma journée de boulot, t'inquiète, je comprends. A plus. Il y a bien que ce pauvre type aussi a tenté d'atteindre le niveau supérieur. Oui, je me souviens, le centre-ville est par là-haut, loin des déchets et des maladies des taudis. Même dans les temps difficiles, les humains ne pouvaient s'empêcher de se diviser en classes sociales. À l'époque, beaucoup de gens des taudis étaient prêts à tout pour tenter de monter là-haut. Visiblement, les robots ont reproduit ce comportement. D'accord. Ah, ça en dit long sur la société. Est-ce que c'est l'homme qui façonne la saucisse ou la saucisse qui façonne l'homme? C'est tout bonnement incroyable ce qui se passe. Ah, saute, Tony. Fais-toi plaisir. Juste, je pense que la caméra, elle a un chouïa trop près du chat, en fait. Hmm. Des fois, ça rend le tout un petit peu bruyant. Bonjour! J'ai un foutu le bordel, mais je ne fais que passer. Oh. Très intéressant tout ça. Est-ce que je peux grimper là-haut? Non. Besoin d'aller sur la table, s'il vous plaît. Partition. On les aura toutes trouvées, hein. Enfin, presque. Et on se cache sous le lit. Sur le lit. Descends du lit. Alors même de voir une cuisine dans cet état, ça me donne faim, c'est pas normal.
carnet de Clémentine 4 sur 4. C'est un carnet étrange orné d'un symbole. On dirait celui-ci appartient à une certaine Clémentine. Le plan se déroule comme prévu, on a réussi à contacter... Ah putain. L'étage supérieur avant que, la radio ne tombe en panne. Ah mais en fait c'est, c'est après Walking Dead en fait, c'est ça. Ils sont dans un lieu appelé Centre-Ville qui est visiblement contrôlé par une sorte de force répressive. J'ai parlé à Momo tout à l'heure, ses yeux. Je connais ses regards. Il ne viendra pas avec nous. J'ignore ce que ça veut dire, mais ça nous sera sans doute utile plus tard. On devrait aller voir ce Momo dont le gardien nous a parlé. Oui. Mais avant, j'ai des choses à faire sur l'ordinateur. Non, ça marche pas. Ouais. Petit mannequin micro partout. Là, j'aurais bien vu une petite quête complétionniste là. Repérer tous les mannequins éco. C'est quoi le bruit de la porte? Sûrement rien. Mais si, c'est un petit chat, il veut rentrer. Oh, putain. Laisse pas entrer les petits chats, ils sont méchants les gens. Mais on m'explique pourquoi ils boivent de la bière, les robots? Chose à fignoler, moi je peux pas partir comme ça. Fou ce village avec plein de dispositifs uniquement pour les chats. Et oui. Oh monsieur. Bonjour. Oh, c'est bizarre, il a une tête d'humain. Oh salut toi, tu as l'air bizarre, t'es chétif mais pas comme les autres. Je sais que je suis censé te caresser mais je vais m'abstenir parce que je ne comprends pas pourquoi. Sujet sensible par ici. Il y a ceux dont le code leur permet de comprendre le concept. Il y a ceux qui savent ce que c'est l'extérieur et sont trop résignés pour agir. Il y a les extérioristes. Tu peux imaginer ce qu'ils ressentent. Enfin, il reste comme où maintenant. Si je les passe off. Il y a un logo des extérioristes. Il y avait un groupe de gens qui cherchaient la surface, moment où on faisait partie. Un jour, ils ont décidé de mettre leur projet à exécution et sont rentrés dans les égouts. Malheureusement, ils ne se sentent pas. Et non, on n'en a plus jamais entendu parler. On ignore pourquoi Momo n'y est pas allé. Je crois qu'il regrette toujours cette décision, le pauvre.
Ce canapé est magnifique. J'ai besoin de le dégrader instantanément. On peut rentrer là, monsieur ? Non. Mais qu'est-ce que vous faites avec tous ces fûts de bière à la fin ? Non, je peux remonter ? Merde, je peux pas remonter. Ah si, je peux. Il va où le saut ? Ah, il descend. Ah, c'est rigolo. Du coup, je retourne là, ok. Enfin, j'y suis allé. Bon, c'est pas si grand en fait, quoi, mais c'est juste que. On s'y paume vite. Bon. Faut au moins que j'essaye de faire ça, quoi. Yes! Voilà. Ouh, ça va chier. Est-ce que ça va rester ouvert ou est-ce que c'est timé? Là est la question. J'ai encore nettoyé l'entrée de ma boutique. Arrête de jouer dessus, ma boutique, espèce de vilain petit vaurien. Non. Voleur. Vaurien. Ah, Super Spirit, c'est donc ici que nous allons le trouver. Oui. S'il pouvait lire mon cœur, verrait-il un chaton ? Non, Seigneur. C'est tout ? C'était juste pour ça, d'accord. Il n'y a rien d'autre. Du coup. J'ai la lessive, monsieur. Et voilà. Alors, c'était qui avait besoin de câbles électriques? Je ne sais plus. Il y a la musique aussi, il faut que j'aille faire jouer la musique au monsieur. Salut, Wanem. Et oui, nous allons bien. Les grosses chattes vont bien. Ah, retour au calme. Ah oui, je crois pouvoir jouer ça, regarde. Oui, j'ai hâte de voir. Ça pop. Ouh! T'es fini ? Ah putain. Même le chat il a envie de mourir quoi. Allez, encore une. La balade du robot solitaire. C'est reparti !
C'est les parties. Il les accroche là, c'est les partitions que j'ai trouvées? Non. Mais j'ai pas appuyé sur le bouton. Ah si, on dirait que si. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manquerait qu'une alors? Ils accrochent ou pas après? Ah, ça peut l'air. Ok. Alors, le câble électrique, c'était qui? C'était mamie? Je sais plus, c'était mamie qui voulait un câble électrique. Et je sais, elle est là. Oui. Bonjour. Et voilà pour toi mon petit, ça va aller parfait, elle est parfaitement. Ah bon? C'est pour moi ou c'est pour... C'est un des plus beaux travaux. D'accord. Bah attends, je te remercie. Ça a l'air très chaud, parfait pour un robot frileux. Ah, faut que je trouve un robot frileux maintenant. Discute. Putain, il soulève. C'est la. Est-ce que j'ai vu un robot frileux quelque part? Je sais plus. Ah non! Je pensais que je pouvais monter encore. Putain, fais chier! Fais chier! T'as pas froid, toi? T'as froid toi? Bon. On va avancer, on va aller voir Momo. Je sais plus où c'est chez Momo. Et celui qui dort là-bas, il arrive pas froid des fois lui là. Bon, il a pas l'air mais bon.
Allez, Momo. Bonjour, Momo. Oh, il est tout triste. Sad Momo. Ah, pas de porno pour Momo. Momo, le petit robot arc-en-ciel. La Terre est la troisième planète après le Soleil et la cinquième plus grande du système solaire en termes de masse et de diamètre. À ce jour, c'est l'unique objet céleste connu pour héberger la vie. Si l'on en croit la datation radiométrique, la Terre est vieille de 4 milliards 540 millions d'années. Et elle n'a qu'un seul satellite naturel, la Lune, qui s'est formée juste après. L'interaction gravitationnelle avec la Lune engendre le phénomène des marées, stabilise l'axe de rotation de la Terre, tout en diminuant progressivement la vitesse. Oh, une vache! Pluie métallique. La vie de la forme d'un cylindre d'environ 450 mètres de diamètre. Il existe un niveau au-dessus d'une autre. La ville semble dotée d'un plafond, si j'en crois mes livres, un grand ciel bleu caché derrière. Putain, c'est les complotistes. Mais qui ont en fait raison. Bah non, c'est pas les complotistes, c'est juste les explorateurs. Ma balle, attendez. D'abord j'urine son tapis. C'est important. Et après je joue à la balle. Extérioriste. Ouais, il joue pas beaucoup à la balle. Hein. Le papier peint, c'est parti. Tiens, mange ça. Le papier peint des toilettes. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je ne suis pas cohérent, faut m'excuser. Allez, je peux pas résister à l'envie de mettre ma tête là-dedans. Ah, secours. Ah, je suis un petit chat perdu. Mais qui est cet homme? Où se rappeler? Bakumdu. Je me souviens de ce jeu vidéo. Je crois qu'il date de juste après ma création. Ma mémoire est encore un peu floue. Avec le scientifique, on y a joué pendant des heures. C'était amusant, il me manque. Pourquoi ai-je oublié son nom? Ah, c'est Huraken. Je crois que c'était Huraken. Alors comme ça, vous avez bousillé votre récepteur. Attendez, je me mets sur la télé. Oh. Oh, ouais, d'accord, donc Clémentine, ok, d'accord. Zbaltar, là. Zbaltazar, pardon. Ça ne marchera jamais. Pourquoi je les ai laissés partir? Je suis tout seul maintenant. Salut toi, qu'est-ce que tu veux? C'est une photo de l'extérieur, tu veux y aller? Bah te fatigue pas, c'est une perte de temps, tu y trouveras que solitude et désespoir. Mes amis ont rêvé aussi, mais maintenant qu'ils sont partis, je me retrouve tout seul. J'ai essayé de les contacter, mais cette étoile de radio ne fonctionne pas.
Mes amis et moi avons pris des notes sur nos recherches au sujet de l'extérieur. Tiens, prends les miennes si tu tiens vraiment à y arriver. Carnet de Momo. Tu es tout seul maintenant. Je ne veux plus entendre parler de l'extérieur. Bonne chance. Momo a l'air très triste, ses amis lui manquent. Laisse-moi jeter un œil au cardiaque que tu as donné. Manifeste extérioriste. Nous devons atteindre l'extérieur à tout prix. Nous devons protéger nos frères et nos sœurs. Nous devons fuir les Urks. C'est signé Clémentine, Balthazar, Doc et Momo. Il me manque le carnet de Doc. Parti ! On dirait que le nom de Momo a été ajouté plus tard. Je crois que nous devrions trouver les autres carnets. J'ai déjà presque tout. Mais petit chat, tu cherches toujours les carnets utiles ? Là, regarde, j'ai celui de Balthazar. Carnet de Balthazar, c'est ça, la plupart du temps. Je ne comprends rien à ce qu'il racontait, mais il était plein de sagesse. J'ai le carnet de... Il est où le carnet de Clémentine? J'ai le carnet de... Oh, tu as trouvé les notes de Clémentine. Elle était vraiment courageuse. Tu sais, la plus brave que j'ai jamais connue. Ah, mais j'ai 3 trucs d'énergie. J'ai pas fait gaffe. Bah, let's go. Je peux sortir par la porte? Non, je crois. Si ça se trouve... Voilà. Le symbole sur ce mur correspond à celui du carnet. Ah, mais j'ai déjà été le récupérer, le carnet de la main. On a déjà visité cet endroit, mais on devrait vérifier s'il y a d'autres signes comme celui-ci. Ah, je suis là aussi, il me semble. Et je suis pas allé là. À moins que... Ah si, c'était là où je suis passé par le... les rations. Donc du coup, c'est celui-là. Je sais plus. Il me semble que si, pourtant. Ah merde. Petit saut. Oui. Ah, je suis peut-être pas allé là, effectivement. Wow. Ça m'a... Chaque fois que je vois des bibliothèques comme ça, ça me rappelle 2 choses. Les énigmes de Resident Evil et Gaston Lagaffe. Je trouvais fascinant la façon dont il y a une planche d'une BD, je sais plus quelle BD, où il fait un labyrinthe avec les livres. Il fait plein de trucs avec les livres, ça m'a fasciné cette planche. Je trouvais ça trop cool. Je me disais, ah, enfin une utilité au livre. Hello, mademoiselle Spark, tu as déjà terminé ton jeu? J'ai bien entendu réagir en tout cas. Ça avait l'air... Salut Doc, j'ai trouvé les clés de ton coffre, tu devrais mieux les cacher. Ah bah super. Cacher ton coffre derrière des livres ne suffit pas. Jess, la bibliothécaire. C'était bien, désolé, je jouais à Master Key. Non mais y a pas de souci. Ça me faisait rigoler de t'entendre mettre de la musique. Mais... Moi je joue au petit chat. Bon, j'ai les clés du coffre. On fera ça après. Merde, il est où le... Attendez, faut que je fasse... Faut absolument que je ruine son canapé, encore une fois. Voilà, ça ne sert à rien, mais... Peut-être que je débloquerai un succès avec ça. Alors, attendez, on va aller voir le monsieur. Traduire. Comment développer votre intelligence artificielle pour devenir aussi créatif qu'un véritable humain, volume 42. Ah, oh, la ref. Partition. Oh putain. Ça doit être la dernière. On va monter là-haut. Oh, c'est dommage. Et les livres empilés aussi comme ça. Et aussi, ça me fait aussi penser à, bien évidemment, SOS Fantôme.
La scène d'intro avec la bibliothécaire. Le dernier carnet. Il dirait que celui-ci appartient à un certain Doc. Après des semaines de recherche, j'ai associé un spectromètre à une puissante lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les Urks en sortant. La première tentative fut explosive. Je vais peut-être devoir les tester dans des conditions réelles. Oh ! Il y a aussi une note sur ce livre. C'est écrit « J'ai trouvé un défaut de conception dans la radio, mais je crois savoir comment la réparer. Voici l'équation. » Avec ça, on devrait pouvoir aider Momo à réparer la radio. Si elle nous permet de communiquer avec les niveaux supérieurs, ça pourrait être un moyen de remonter. Montrons-lui ce que nous avons trouvé. Oui, mais avant. Partition et... troc. Oula, attention. Tu fais pas mal, petit chat. Même si techniquement, tu ne peux pas te faire de mal. C'est pas par là. Ben je crois, ainsi c'est par là. C'est l'un des premiers modèles de compagnons. À l'époque, ils n'avaient aucune personnalité, ils n'étaient que de simples agents d'entretien. Qu'ils aient fini par imiter les humains est, selon moi, une bonne chose. C'est comme s'ils leur avaient manqué. Et d'une certaine façon, ils ont empêché leur extinction. Ce sont de bons robots. Et c'est parti pour une musique de ces morts. Bientôt fini cette merde. Ah, j'ai plus que ça. Bah. Information importante relative. Celle-ci a été composée par un algorithme de renom. C'est parti. J'entends pas la musique du jeu, c'est non. Ah ouais? Bah moi pourtant j'ai le spectre qui personne m'a rien dit pendant que je jouais donc. Voilà, normalement t'as toutes les. Si pour cette chanson je. Ah non c'est. D'accord, il y en a encore d'autres? Putain, chier. Nique sa mère. Ah, c'est parce que je lui ai donné les autres, c'est pour ça, d'accord, ok. C'est pour ça que j'ai plus rien. On y retourne. Au secours. Le con. Et si je gratte, il va m'ouvrir ou pas? Ah non, il y a un cadenas, putain. Tiens, je te donne le tien, peut-être. Hein. C'est bon, carnet, je suis le dernier. Il reste plus quoi. Tiens, ensuite Doc. Ah, ça appartenait à Doc. Il était vraiment féru d'électronique et tous ces trucs-là. Toujours sur le point de faire une énorme découverte. Attends, tu as vraiment trouvé tous les carnets de mes amis?
Ah, c'est quoi cette note? La radio peut être réparée? Incroyable! Ça veut dire qu'on devrait pouvoir communiquer en dehors de Toddy! Clémentine, Balthazar, Doc, je m'excuse d'avoir douté de notre cause. Je vous promets, je trouverai un moyen de remonter à la surface. Merci, on pourra trouver un moyen de te faire monter. Maintenant, réparons cette radio pourrie. Oui. Mais tu entends la musique maintenant, Johanna, ou pas? Enfin, de toute façon, la musique, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc bon. Et voilà, ça marche. Et viens avec moi. Oui. Attends, je mets de la musique avant. Là-haut, tu vois ce bâtiment qui dépasse tous les autres. Si tu installes l'émetteur au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec toute la ville. Mes amis pourraient encore être là-bas. S'il y a moyen de sortir, ils sauront où c'est. Tu es le seul à être assez petit et rapide pour échapper aux urks. On a besoin de toi, petit exor extérioriste. Fais-nous monter jusqu'au ciel. Oula. On peut dire des choses comme ça. Hein. J'entends les sons d'effect. Et t'entendais pas la... D'accord, là c'est l'eau qu'il faut que j'aille, putain. Là. Ces petits pas... Les doués. Ah oui, effectivement, il y en a plein. J'aiguise mes griffes. C'est là-dessus. D'accord, donc miauler ça sert à ça. Merde. Suce le cul. Tu peux... Ah. Non. Ah. Donc t'entendais les sons d'effect, mais pas la musique du guitariste. C'est bizarre. Ah, putain, mais quelle merde! Ah, je pouvais passer par la poutre, merde, j'ai pas vu. Heureusement que je suis un petit chat tout agile. Merci pour le sub, Dragon. Merci beaucoup. C'est le plaisir. Ah oh merde, il y a des trucs à découvrir dans ces spots là, putain. La ville est pleine de néons, ça n'a pas toujours été le cas. Les plafonds énergétiques stricts avait été établi surtout dans les taudis. Mais les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un a allumé des lampes arc-en-ciel, des panneaux au néon sur toute sa maison. Cette personne a été arrêtée, on ne l'a jamais revue. Mais les gens ont senti une note d'espoir et peu à peu, ils se sont mis à placer des lampes partout sur leur maison. La répression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens, c'était une façon de revoir de la couleur. Comme dans l'extérieur, je crois que c'était utile.
Eh bien, c'était très intéressant. Eh bien, le bonsoir, Drigan, je n'avais pas vu, excuse-moi. Je suis concentré. Ouh. Ah. Dans le Euge. Merde. Mais si je fais... Ah. On rappellera que le principal intérêt de ce jeu, c'est bien évidemment de pouvoir miauler quand on veut. Voilà. J'apprécie énormément. Non ? D'accord. Bonne nuit aux gens qui vont se coucher. Oh. On peut pas monter là-haut, non. Oh. Oh. Voilà. Ah oui. C'est bien la merde et quelqu'un qui a un géant qui a toussé ses glaires. Le géant glaireux. Géant glaire. Oh. Oh putain. Vite. Ah oui. Voilà. Ça sent bien baisé. Bonne nuit. Merci beaucoup d'être passé, merci pour tout. Ça devient Doom Eternal. Ouais, un petit peu. Petit côté Stranger Things aussi. C'est entre le mignon et le dégueulasse, hein, les bruits des trucs. C'est mignolasse. Dégueugnon. Je ne saurais dire. Nous y sommes presque. Ça va éclore. Ça. Tu la sens la séquence où je vais devoir prendre mes quatre pattes à mon cou. Ou pas. Oh putain. Petit film, mais où il se regarde? Ça devient Doom Eternal. Je suis perché.
C'est dégueulasse. Oh la vache. Quoi? Oh merde. Ah! Ah! Ah, c'est bien, elles se jettent toutes dans le vide. Allez, jette-toi dans le vide, ça le prie. Ah! Putain, mais ça peut jumper de ouf, des fois. Ah! À tes souhaits. Ah! Ça le prie. Pardon. Ok, je vois ce que vous voulez que je fasse. Juste. Bah, doucement. Ah, c'est Half-Life. Ouais, bah ouais, on dirait les. Les Headcrabs, là où je sais plus comment ça s'appelle. Ce que je disais au début. Necocorp. Ceux qui traitaient les déchets. Les déchets venus des étages supérieurs ont débordé dans les taudis. Ils ont tenté de développer une bactérie pour tout dissoudre. Après la disparition des humains, la bactérie a muté, elle a évolué et mangé bien davantage que les déchets. Maintenant, on a les urcs. Allons-y. Ah, ça c'est... l'humanité dans toute sa splendeur. Mettre au point et répandre l'objet de sa propre destruction. Attention mes amis, c'est parti. Merde, il faut ouvrir la porte. Ok. Oh merde. Ah putain. On y est presque, on y est presque. Je pense que je fais ça, puis j'arrêterai là. On continuera la prochaine fois. Chut. T'es pas obligé de faire Mio quand tu sauvegardes. Hein. Est-ce que je fais Mio quand je sauvegarde maintenant? Bon, là. Ah, le temps que l'ascenseur descende. Voilà, il faut survivre.
Je déteste, je déteste. Petite musique bien cool. Ah putain, ascenseur, rouille ton cul. Ah! Ouvre-toi! Ah! Pourquoi je peux pas monter dedans? Ah putain, 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 putain! Il faut que je fasse quoi, putain? Il rentre pas dans l'ascenseur, hein. Oh. Ça m'est sur la vie. Putain, c'est les aventures de chatron hardcore, quoi. Non. Ah. C'est ici, place la radio sur cette antenne. Oui, non mais avant, je fouille. Ah, je sens bien que ça va être... Oui, oui, oui. Ah bah non, moi ça doit se finir. Tout ça grâce à un petit chat. D'ailleurs, dans Chatron, il y avait des bails sombres comme quoi 6 chatons sont morts de leur blessure pendant le temps. Ah, je veux pas savoir. Le film déjà assez traumatisé comme ça quand j'étais gamin. Savoir en plus qu'ils ont buté des chats, non. Regarde cette vue, c'est très beau d'ici. Ça me revient, la ville, elle devait servir d'abri. D'abri à babois. On dirait des étoiles, mais ce ne sont que des lumières qui jalonnent le toit hermétique qui scelle la ville. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur. Mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. Mais qu'est-ce qu'il y a dehors? Les radiations nucléaires? L'extérieur fut dévasté et totalement aride, invivable et dangereux. Les gens viennent. Mais si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Et je n'avais pas seulement promis d'aller dans l'extérieur, j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. Ah, petit cafard volant. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent et d'autres pas. Mais je suis certain que c'est ma raison d'exister, je dois ouvrir la ville. Allons, retournons voir Momo. Maintenant qu'on a branché la radio, on devrait pouvoir trouver de l'aide. À gogo. Il n'y avait pas un souvenir, hein. J'espère pas. Hein. Les taudis perdus. Ouais, il a mis des nouveaux rideaux. Putain, ça y est, il y a de la musique.
Il est plus là, maman? Regarde une note de maman. Petit extérioriste. Je lis terroriste à chaque fois. Si tu lis ça, c'est que tu es encore en vie. Excellent. J'en ai du matériel au bar pour profiter de leur antenne. Viens m'y retrouver. J'ai bloqué la fenêtre. Mais le code pour l'ouvrir est assez sympa. Aïe. Lol. Attention, il est sensible à la casse. On se retrouve au bar, mon... Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là, je pense. Il est moins de 10. Et on reprendra... On va charger de... Je peux pas sauvegarder quand je veux. Ça a sauvegardé il y a une minute. Donc je pense que... On pourra reprendre si je... Ah, j'ai joué 2h30, merde. Si je continue, ça reprend où? Ah, les patounes, j'avais pas vu le temps de chargement. Oh. Ok. Point de souci. Eh ben, c'est plutôt cool. Même si, bon, je suis un peu claqué. Et du coup, je ne rends pas tout ça très vivant.